Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors Diamond Painting aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'ai pas fait mes grands DP. J'ai fait la petite lampe LED qui venait de la boutique GFBK, je crois que je me trompe pas. Je vous remets tout de suite le nom de la boutique ici en dessous pour pas faire d'erreur. Depuis que je devais vous la faire, ça fait très longtemps. Je l'avais reçue, si je ne me trompe pas, fin octobre. Voilà. Et je devais vous la faire depuis tout ce temps. Et j'avais pas encore eu le temps. Hein, voilà. Donc voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Là, elle a déjà trouvé sa place. Ici derrière moi, pour l'instant je la laisse dans mon atelier parce que en bas il n'y a pas de place, et puis avec Fifi, les toutous, tout ça, surtout Fifi, je veux pas qu'elle y touche, puisque là ça il n'y a pas de protection hein, devant, voilà, donc pour l'instant c'est dans mon atelier. Donc là elle n'est pas allumée, elle n'est pas allumée. Alors, attendez, je vais vous la montrer. Bon, vous allez la voir après. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de coupure dans la vidéo. Je crois qu'il y en a... Je pense qu'il y en a une. Je suis désolée. Je vais le voir au montage, puisque là, je suis en train de vous parler, donc je ne suis pas en train de faire le montage. au moment où je mets les petites boules blanches. Mais bon, c'est pas... quand il y a juste à les enfoncer dans le trou, voilà, c'est tout. Mais je verrai au montage si ça a été coupé ou pas, je suis désolée. Mais il n'y a rien de compliqué, hein. Vous prenez la petite boule blanche, vous la passez par le trou, c'est tout. Désolée, j'ai pas de mouchoir. Si, j'en ai un peut-être dans ma poche. Alors, hier, j'étais faire un scanner et ce matin, une mammographie. La mammographie qu'on doit faire tous les 2 ans. Enfin, moi, normalement, on doit en faire une tous les... Moi, je dois en faire une tous les ans, mais j'oublie toujours la mammographie intermédiaire. C'est pas bien, puisque moi, j'ai eu un cancer il y a 17 ans, et en plus de l'utérus. Donc, normalement, je dois faire une mammographie tous les ans. Et j'oublie toujours la mammographie intermédiaire. Mais bon, ça va. Tout va bien, heureusement. mais il va falloir que je me mette des rappels dans mon téléphone pour l'année prochaine. Donc, de ne pas l'oublier. Mais bon, là, aujourd'hui, la mammographie a été faite. Rien à signaler. Donc, c'est très bien. Et le scanner... Alors, c'est pour ça que je vous parlais de ça. Que j'étais faire le scanner hier et il faisait très froid et je crois que j'ai pris un coup de froid, j'ai mal à la gorge, j'ai le nez qui commence à couler. Non, je vous rassure, non, c'est pas le Covid hein, parce que j'ai pris ma température, j'en ai pas, mais je crois que j'ai attrapé la crève. Voilà, en allant faire mon scanner hier, mais comme je sors presque pas de la maison. Le peu que je sors, ben voilà, là il a fait très très froid hier, il a même gelé, j'ai dû gratter le pare-brise avant de partir, et j'ai attrapé la crève, et donc voilà. Et le scanner par contre, bon, j'ai vu il y a des petites choses dans le scanner, mais bon, j'y comprends rien, donc je revois mon médecin vendredi pour qu'il me traduise ce qu'il y a dedans, parce que là, au truc du scanner, ils m'ont rien dit. Ils m'ont juste donné... oh, il n'y a plus beaucoup de batterie. Ils m'ont juste rendu aujourd'hui les résultats sans rien me dire. Mais bon, j'ai vu qu'il y avait 2-3 petites bricoles. Mais ça, c'est bon, de toute façon, ce serait grave. Ils me l'auraient dit, je pense, normalement. Mais bon, donc on verra vendredi ce que le médecin me dira. J'ai vu qu'il y avait... Parce qu'ils m'ont fait pour les poumons... Pour le squelette, je crois.
Et puis pour le bas du ventre, hein, pour nous, pour les femmes, voilà. Et je crois qu'ils ont trouvé qu'il y a des choses qui, je sais pas, au niveau des poumons, mais bon, je sais pas. Voilà, comme j'étais fumeuse, on verra bien, hein. On verra les résultats. Bon, je vous en parlerai, je vous le dirai, pour vous rassurer, enfin, si ça vous intéresse. Hein. Voilà. Donc, le voilà. Voilà la lampe. Donc ça c'est le dos. Les petits pieds sont là. Alors, je vais vous l'allumer. Hop, donc vous verrez. Et voilà quand il est allumé. Voilà. Donc ça fonctionne avec des piles, hein, bien sûr. Et donc j'ai pas mis longtemps. Enfin, pas mis longtemps. J'ai mis quoi? 2 heures? Un peu plus de 2 heures pour le faire. Bon, je ne me suis pas pressée, hein. Mais bon, voilà, il est très joli. Alors, comme d'habitude, je vous remettrai en barre d'infos le lien de la boutique et le lien pour le retrouver directement, si ça vous intéresse. Ça m'énerve, ce nez, il va finir en trompette, je le sens. Oh. Voilà. Du coup, j'ai la tête un peu en compote avec ça. J'ai pris un Doliprane, mais bon, je suis fatiguée du coup. J'irais bien faire dodo. Mais il est pas l'heure, il est que 14h30. Et après, je vais préparer un souper. Alors, pour le souper, aujourd'hui, je vais préparer des paupiettes au blanc de poireaux et champignons. Voilà. Avec peut-être du riz, je pense, je sais pas, je verrai. Suivant ce que Chouchou voudra, je vais lui demander ce qu'il veut. Normalement, je pense que je ferai avec du riz. Voilà. Donc aujourd'hui, ce sera une vidéo là-dessus. Ça change un petit peu. Et puis demain, bah, je reprendrai mon DP. Je pense que demain. Oh, désolée. Demain, je terminerai le grand DP, la maison et la rivière. Voilà, vous aurez la fin demain, je pense. Je vous fais à tous des gros bisous. Je garde mes microbes pour moi, vous inquiétez pas, je ne vous les envoie pas. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. Et je vous souhaite un bon visionnage. Bisous, bisous, à bientôt!